Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre. On commence l'histoire, donc terre sans hommes. L'armée orque lance ses attaques depuis Sirithungol, je crois que c'est Sirithungol, je sais plus, avec Baranor, faites rugir les combats aux Mordor. Bon, ça rime en plus, c'est rigolo, avec Baranor. Avec Baranor, faites rugir les combats au Mordor. Vous ne pouvez pas être à court d'orques dans la ville. Il en reste quelques-uns, mais nous en chassons un en particulier. Ah. Le dernier garde du corps du chef de guerre qui mène le siège. Ah, les chefs de guerre sont des orques très puissants, souvent protégés par des capitaines. Vous pouvez commencer par identifier et traquer ces gardes du corps pour faciliter grandement l'élimination du chef de guerre. Le menu armée vous indique quel capitaine protège un chef de guerre. Maintenez Select pour voir le menu armée. C'est Select ou c'est Start? C'était Start. Les chefs de guerre. Cette région sont les chefs de l'armée orque. En sélectionnant un chef de guerre, on peut voir ses gardes du corps. Va laver ton verre, malpropre. Commencez par attraquer le garde du corps d'un chef de guerre et triomphez d'eux afin de faciliter votre affrontement contre le chef de guerre lui-même. Aidez Baranor à acheter ce garde du corps et à le tuer. D'accord, vendu. C'est très classique, hein, c'est ce qu'on avait. Oh non. Nous cherchons le même orque, mais pour atteindre le chef de guerre, il faut tuer ses gardes du corps. Vous semblez avoir de l'expérience dans ce domaine. Élimination furtive de Baranor. What? Tant que vous n'avez pas été repéré, vous pouvez ordonner un allié ou un garde du corps qui vous accompagne de tuer une cible proche. D'accord. Bah c'est cool s'il y va en mode... Rejoins tes frères dans la mort. C'est stylé, cela dit, hein. Faut reconnaître quand même que... Je crois que j'ai encore vu la grosse araignée, des grands yeux luisants qui me regardaient. Ça, c'est pour Mina Sithil. Quelqu'un a tué l'assassin. Tu parles du globe à la date bizarre qui fait tout le monde pour être... Oula, faut pas qu'on passe par là. Est-ce que tu grimpes ou pas? Non, tu grimpes pas. Oh, je reçois un message sur mon adresse. Sur la tablette. Même tout un tas de choses, ok, pourquoi pas. Vous quittez la zone de mission, merde. C'est rigolo que je le soive de partout. Par contre, j'aurais peut-être dû le laisser tuer les deux, c'est dommage. J'ai bien entendu quelque chose. Pour le condor. C'est fini, poursuivre contre. Ah merde, j'ai chié dans la colle. Alors attendez. J'aimerais recommencer, s'il vous plaît. J'aimerais recommencer, parce que là c'était facile en plus, hein. C'était vraiment simple. Ah non, tu me remets pas là. 40 km plus loin, ça use. 40 km plus loin, ça use le talion. J'ai mal au talion. Black. Et de deux. Et de 3. Et de 4. Ils sont un peu lents, hein. T'as bu du grog ou t'es mauvais tout le temps? Ça, c'est bon, ça. Je suis désolé, j'adore cette expression. What? Qu'est-ce que ce bordel? Ils se font entraîner ou quoi? Oh, ça va tellement être propre. Le
Lâche-moi. Je préfère faire ça. Hop les, viens par là. J'avais oublié cette histoire. Hop les, bonjour. Hop. Ah, j'ai pas eu le temps. Oups. Excusez-moi. Allez, venez. Tous ensemble en pouce, pouce. Oh, je sais. Non, viens. 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 Ah, j'ai plus de flèches. Je vais dire je t'emmène. Tu n'as rien vu. Ou alors allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des champs. Non, ça marche pas non plus. Bonjour! Vous kiffez? Bonjour. Aïe, j'ai pas... Oui, je crois que c'était le même, en fait. Hop, et de deux. Allez, viens. Bah, allez. Mais vous êtes nuls. Aïe, putain, oui, c'est moi qui étais nul, là, pour le coup. Un autre. Allez, hop, la suite, on continue. Mais oui, je vais saigner. Et toi d'abord. Boum. Allez, ta tête. Ah, toujours pas, hein. J'ai du mal à décapiter dans ce jeu. Ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde. Play. Qui ose m'envoyer des trucs sur la tronche? Bah, si tu viens pas me chercher, par contre, tu risques de rapidement de me perdre. Voilà, hop, on est bon. On a récupéré le truc, on y va, on progresse. Et on devrait pouvoir s'en sortir cette fois-ci. Donc en fait, faut vraiment que je l'envoie chercher tous les. Alors, cela dit, dans le noir, ça peut-être est un peu plus simple. Par contre, je peux pas. On peut pas passer. Tant pis. Oh. Non, c'est vrai? Ah bon? Oui, je suis au. Oh putain. Je suis au courant. Allez, on y va. Je crois que nous cherchons le même orque. Et pour atteindre le chef de guerre, il faut tuer ses gardes du corps. Vous semblez avoir de l'expérience dans ce domaine. Suffisamment. Je vous suis. Salutations du Condor. J'ai quand même l'impression qu'en fait, faut pas avoir peur de le lancer. Hein. Rejoins tes frères dans la mort. Voilà. Et enfin 5.
Voilà, j'ai réussi. Alors, surtout que je viens de penser en plus qu'il y avait de grandes chances. Examiner l'indice. Que tout au long de la mission, j'aurais pu trouver les cibles. J'ai été un peu stupide sur les bords. Comme d'habitude. Oh, c'est tellement propre quand on est à deux à les faire. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, c'est, je trouve ça limite excitant. Dépêche. Je sais pas ce que le dernier homme du Nord qu'on a mangé. Hop les et de deux. C'est tellement stylé. Je préfère m'occuper de celui-là avant qu'il arrive dans notre dos. J'arrive pas à croire que vous avez fait un raid sans moi. Bah oui, mais t'étais en train de manger, il était 22h. On a bien été obligé de faire quelque chose. T'es le dernier, on t'attendait. Mon prince viendra. Tu seras chef suprême. Bah oui, bien sûr. Why not? Un jour, ton prince viendra, ça reste quand même une meilleure option. Merde. Catastrophe. Je vais te chier. Ah non, raté. Ça c'est pas votre premier combat. Ok, tu l'as eu, génial. Ah bah oui, c'est le malpropre. Tiens, regarde, attends, je sais ce que je vais faire. Bah alors, j'arrive pas à contrer son truc. Vous faites exprès de vous pointer là où on ne veut pas de vous. Maintenant, je vais encore devoir m'assurer que vous ne quitterez pas le Mordor vivant. Encore? Comment ça encore? Tiens, regarde. Viens par là. Ah, il est en train de la buter quand même. Bon, je vais le buter parce que ça me saoule le combat. Et... Baranor. Ok. Bon bah. Un chef de guerre. Oh non. Pas un chef de guerre justement, un capitaine, un garde du corps. Il va se sentir seul sans ses gardes du corps. Il ne tardera pas. Il a raison. Oui, tout à fait aussi. Voilà, c'est une très très bonne manière de le voir. Je suis entièrement d'accord avec ça. Level up quand même, non? Hiérarchie des orques. Oui, je suis au courant quand même. Déverrouiller, appelle des partisans. Chef de guerre que Baranor. Ami, entends-tu? Non, je vais pas la faire. Je me sens vieux des fois. Alors, qu'est-ce que c'est? Épée de Rohirrim. Elle est aussi bien améliorée, 15 points. D'accord. Je pourrais améliorer celle-là. Je pourrais aussi améliorer celle-là. Profites-en bien, Tark. Savoure cet instant. Et donc là, en fait, je débloque le truc qui est en dessous, c'est ça? Je crois que j'ai compris le principe.
Et du coup, où est l'autre qui était censé pouvoir... Ok, bizarre. En tout cas, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je remets celle-là, du coup. Hein. Je vais pas me... C'est très très cool. Alors du coup, j'ai aussi un point, un mètre. Point que vous vous en doutez, je vais mettre... Alors ça c'est quoi? Appel de monture. Ça peut être extrêmement intéressant aussi. Hein. Mais ça le fait apparaître? Ou ça le fait juste, ça l'appelle juste, ça le fait apparaître apparemment, d'accord. Ok, ça va être extrêmement intéressant aussi ça. Le problème c'est un truc à ce que je me batte uniquement avec le Caragor maintenant si j'ai ça. Enfin bon. Du coup, qu'est-ce qu'il y a pour ce pouvoir-là? Pluie de glace. Appuyez sur B pour geler tous les ennemis dans la zone devant vous. Ouais, ça peut être intéressant. Le coup final de tempête de glace inflige aussi un coup critique. Ah, oh, c'est joli. Coup fracassant. Le coup final de tempête de glace subit votre cible en miettes. S'enfuit terrifié. Ah, ça peut être intéressant aussi. Puisque la terrification, vous avez pu voir qu'il y a plein d'objets, d'objets légendaires qui nécessitent, par exemple, de terrifier des ennemis. Et un coup de... Enfin, de terrification de groupe, si je puis dire... C'est assez intéressant, c'est assez dit la baleine. Bref, excusez-moi pour ça. Du coup, on va se déplacer ici pour aller donc faire la mission suivante. Hein. On voit qu'à peu près que la mission a duré à peu près 8 minutes, je crois, environ. C'est quoi le gros machin rouge au milieu? Vendetta en ligne, un chinois. Bon, pourquoi pas. Et faut que je me pose ou... Faut que je me pose. Vendetta. On va faire la petite vendetta, ça va nous changer un petit peu. Non, en délignation, une. Ok, vendu. C'est parti. C'est pas un grand méchant, mais ça peut être intéressant, ça peut être sympa aussi de se diversifier un petit peu. On a fait beaucoup d'objets dans les précédentes vidéos. Un petit peu de meurtre, c'est pas grave. Vous entrez dans le monde de ce joueur et devrez affronter ses habitants. D'accord, intéressant. Je recevrai un coffre de butin à la fin. Vous pouvez gagner des points de dépouille. Des dépouilles. Je crois qu'il est temps de tirer parti de cet appât. Ah bon? Ouah, ça m'a un petit peu envoyé à Chai par contre. Où est-ce qu'il est censé être le... Il faudrait qu'il y ait des Caragor autour quoi, je veux dire. Ouais. Tu veux dire que les Caragor ont pop de n'importe où? Je fasse 3 éliminations furtives. Ça va être super facile vu qu'il y a le mec là-haut aussi. Hop, les, désolé, t'as failli me voir. Je préfère prendre les devants, ça ne te dérange pas. Hop, et 2-3. Ils deviennent fous ou ils ont juste pop? Ils ont juste pop, c'est un peu dommage. Waouh! Il y a un monsieur qui croyait m'avoir vu. Tu peux pas grimper? Push crimp. Au combat à ta place. Mauviette. Quoi? Comment tu me parles toi? Dommage que je puisse pas le... Bon bah tant pis. On va aller chez... D'accord, vas-y viens. Non.
Hop là. Hop, hop. Hop, allons-y. Hop là, bonjour. Ah là, j'ai réussi à le geler par contre. Aïe. Ok, enragé par les exécutions. Ça te plaît? Putain, il est... Ça va être tendu quand même, ils sont beaucoup. Hein. Avec dignité, mais c'est pas ce que je fais. Avec la magie et... Je vais pas te laisser te replier non plus. Hein. Ok, il s'est... Ok. Oui, bon, bah d'accord. Insensible aux exécutions. Wow, c'est quoi ce bordel? Il m'a fait quoi là? Mon épée est en flamme, j'avais dit que j'avais des chances d'infliger des dégâts de feu. Insensible aux exécutions, c'est pas lui que je visais quelqu'un d'autre. Ah, ça commence à être chaud du cul. Je vais essayer une flèche, mais ça m'emmerde. Hop les. Aïe, je me suis pris une flèche. Raté. Ça m'emmerde par contre. Ça fait plusieurs fois qu'il me fait ce coup là, je sais pas ce que c'est. Ça commence sérieusement à me faire flipper. Aïe, c'est pas du tout ce que j'ai fait par contre. Ça j'aimerais revenir dessus, j'ai pas du tout appuyé sur ces touches là. Alors soit c'est ma manette qui a chié dans la colle. Aïe, deuxième fois. Ça commence à me saouler. Ok. Je voudrais pas avoir à m'enfuir. Mais par contre, utiliser peut-être l'environnement. Par contre, tu veux bien. Pff, il fait de la merde là, Talion. Voilà. Cette fois-ci, je l'ai eu. Ah bon? Trompe la mort. Et en plus, il a un pouvoir supplémentaire. Non, bah non. Mais non. Bah je peux plus. Il m'aura tué. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est dégueulasse. J'ai même pas pu, vous avez vu, il n'y a même pas eu d'alerte de coup. C'est dégueulasse. Bon, par contre, oui, je crois que ma manette doit commencer soit à en chier. Parce que j'ai pas appuyé sur le... Vous savez, sur le truc du sol, j'ai fait XXXA pour me barrer. Mais bon, c'est pas grave, c'est une défaite. Il y avait beaucoup de monde. J'ai mis un petit peu de temps avant de trouver un explosif. Je pense qu'il faut vraiment que je me serve plus du... Dans l'autre, on pouvait combattre des millions de personnes. Mais bon, c'était pas le cas à ce moment précis. Ok. Bah je suis un poil déçu de ma performance.
Bubble, le rejeton fétide. Nombre d'élimination 7. Ah oh, bah si, là faut vraiment que je tente le coup. Là je veux tenter le coup. Je veux voir ce que ça va donner. Tant pis si je meurs, hein, c'est pour la blague. Les hommes sont devenus fous alliés. Je ferai tout pour oublier. Non ? Génial idée, tout ça. Ok. On retente. Nombre d'élimination 7. Donc le mec est censé être balèze. Faut dire ce qui est. Donc, à voir. Mais bien, faut que j'utilise... En fait, mes flèches ne servent qu'à... apprivoiser l'environnement, on va dire. Que ce soit bien clair. Faut que je pense à ça. Et que dans la 80... Ouais, on va dire 90% des combats... Oh, c'est joli, ça. Il faudra... que... Quels indices m'as-tu laissé, Orc ? Il faudra que je l'utilise. Ok. Hop là, et de une. Ok. Deux. Trois. On est bon. Donne-moi ton argent. Ok. Par contre, ça me fait véritablement rentrer dedans, quoi. Je récupère la flèche que j'ai utilisée. Je pense que passer par là n'est pas une si mauvaise idée. Tant pis. On y va lentement. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais pas tenter le coup de passer juste en dessous de lui. Je pense que c'est un poil pas dangereux, mais vous voyez ce que je veux dire. Obtenir les renseignements. Et voilà, il est arrivé. Il est arrivé à la porte, malheureusement. Tu veux jouer avec ça ? Ou tu comptes m'affronter ? Bah, je vais t'affronter, bonhomme. C'est sympa le principe là de.
Bon, ils sont que niveau 9 par contre, hein, c'est pas... Hop, il faudrait que je les brutalise un petit peu. Allez, on y va. On avance. J'aurais pu récupérer la flèche restante. Allez. Mais non. Hop les. Bonjour. Hop les. Oh, j'ai pas réussi à le... Enragé par les blessures mortelles, ce serait une flaque en forme d'orme. Non mais, qu'est-ce que tu fous? 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 Voilà. Ça ne sert à rien, bonhomme. Tué. Voilà. Donc, voilà le mec qui a tué cet autre mec. Coffre de butin de vendetta de niveau 5. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas si c'est efficace ou pas. Dépouille de guerre 50. Ok, récompense. Ok. Équipement, ok. Et donc le coffre, je vais attendre avant d'aller l'ouvrir. Puisque je pense qu'on peut trouver des orques dans les coffres, pardon. Et j'espère que si j'attends d'avoir débloqué la feature des orques, peut-être qu'à ce moment précis, je pourrais... Non, normalement, excuse-moi. Normalement, j'ouvrirai ces coffres à ce moment-là et je pourrais peut-être potentiellement tomber sur des orques dans les coffres. Du coup, ça m'a pas fait avancer du tout. Mais bon, c'était pour le lulz, hein, pour le coup, ce coup-là. Donc moi, je me téléporte là, chers amis, et je vous laisse là pour cet épisode. Merci d'avoir allé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et qui m'a regardé les armes? Mais pourquoi tu me dis ça? J'en ai trouvé un. What? Légendaire, ok. Épée vengeresse. Tuer une cible d'une variété en ligne de niveau 20 ou plus avec une exécution. Dégâts de mêlée infligés accrus de 10% avec moins de 35% de santé. D'accord, ok, si tu veux. Et j'ai même pas vu. C'est quoi ça? Ensemble légendaire. Oh, d'accord. Mais du coup, elle est jolie. Ah putain, elle est pas moche. Hein. Elle est pas moche. J'aimerais bien pouvoir dézoomer un petit peu dessus. Et donc, il y a des ensembles, d'accord, comme des ensembles d'équipement. C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. J'adore. Boah, ça me donne des frissons tellement. Ok, cool. Je peux pas en ajouter plusieurs. Je capte pas. Voilà, c'est bon là normalement. Non, toujours pas. Je capte pas alors. Il y a un truc que je capte pas avec ces trucs là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, ah putain, c'est pas ce que je veux faire. Bon, c'est pas grave. Je chie dans la colle. L'interface est assez complexe selon moi, mais bon. Enfin, pas complexe, mais mal expliqué, je trouve. Voilà, exemple. Là, j'en ai 3, on est d'accord. D'accord. Le forger une gemme en bas, les 3, ça équivaut en fait, non pas à ajouter 3 gemmes sur l'objet, mais à rajouter une gemme plus puissante. Oh putain, c'est compliqué. Ok. Donc, par exemple, là j'ai une arme qui me donne 6% de santé, 6% de vol de santé. D'accord. Ok. Bah là je comprends. Ouh, c'est compliqué. Bon, pourquoi pas. Ok. Du coup, moi les amis, je vous laisse là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans l'ombre de la guerre. Salut les gens.